Bon, demain c'est décidé, je filme une journée dans ma vie de digital nomade en Thaïlande à Koh Samui. Je m'engage en vidéo, comme ça j'ai pas le choix de le faire parce que je repousse depuis 2 mois. Et je sais que je serai contente de l'avoir une fois que je serai en France cette vidéo pour me motiver à repartir, qui sait? Parce qu'il faut savoir que ma routine ici n'a rien à voir avec celle de France. Voilà, donc je vous emmène avec moi et je vous partage tout ça. À demain! Bah là, il est 10h, je viens de finir ma première partie de journée de travail. Je reprends après à 14h. Du coup, je pense que ce matin, je vais aller dans un institut de beauté et peut-être à la plage ou faire une piscine. Je vais voir. Normalement, le matin, moi, je bosse jusqu'à 9-10h. Je me réveille à 6h, je bosse jusqu'à 9-10h. Ensuite, Pierre, il se réveille. Du coup, on fait souvent une activité tous les deux ensemble. Genre, soit on va à la plage, soit on va visiter un temple. Ou manger quelque part dans un endroit sympa, etc. Mais là, vu qu'il doit bosser, bah moi je vais faire un petit tour toute seule. Du coup, je vais aller dans un institut de beauté pour prendre soin de moi. Et après, je pense que ce midi, on ira manger quelque part. Et voilà, je vous emmène avec moi. À la maison, du coup petite piscine avec Didi qui vient de faire son sport. Go se baigner. Dans l'eau, du coup, direction le repas. On va aller manger à l'extérieur comme tous les midis. On va aller dans un petit restaurant. On va aller dans un petit restaurant qui est juste à côté de chez nous parce que on n'a pas trop le temps parce que Pierre recommence dans une demi-heure. Et voilà, on vous emmène avec nous. Je suis en train de me régaler avec ma doudze. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué, regardez. Je parle pas du paysage, je parle de ce genre de situation où t'as un petit chien qui est à côté de toi tranquillement pendant que tu manges ton plat. Bah là, on a fini le repas. On va aller au 7-Eleven. On est juste derrière. Acheter des bouteilles d'eau et on va vous montrer toutes les petites conneries qu'on achète au quotidien ici. Il y en a tous les 5 mètres des 7-Eleven et c'est ouvert toute la nuit, H24, 7 jours sur 7. Et c'est trop bien. Je vais vous montrer ça. Nous voilà dans le 7-Eleven. Déjà, ce qui est trop bien, c'est qu'il fait méga frais. Il fait tellement chaud dehors. Genre, ici, il fait trop froid, ça fait trop du bien. Je vais vous montrer les trucs qu'il y a ici qui sont trop bien. Ça, c'est des nouilles qu'on achète en France qui coûtent la peau du cul. C'est 16 bahts, ça fait 50 centimes. Attends, je vais en ramener, je pense, pas en France. Je vais faire des batailles.
Ça, c'est des mini paquets de céréales qui sont à 25 bahts. Ça fait genre 80 centimes. Ça, c'est trop pratique. On prend souvent ça au petit-déj pour le goûter. Et ça, c'est trop bien pour les petits enfants. C'est des petits cakes qui sont à 20 centimes. Ils sont trop bons. C'est en chocolat, l'orange, blueberry, c'est myrtille, un truc comme ça. Bon, Dodi, on est d'accord, il y a quelque chose qui va nous manquer ici, c'est quoi? Les petits chiens dans le 7-Eleven. Comment ça, les petits chiens dans le... Oh, bah. Où est-ce, mec? Ouh, bah, il a pas kiffé ça, petit père. Ouais, ici, en fait, il y a des chiens dans 7-Eleven qui se baladent et qui viennent un petit peu faire miskin auprès des clients pour qu'ils leur achètent des trucs. Là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec moi. Ça y est, on a bien mangé. Là, on va bien reprendre le boulot. Tiens, il commence. Et moi, je commence dans une heure. Et voilà. Et c'est une fin de journée pour Pierre et Marine. Non, en fait, c'est pas la fin de journée, mais il est 19h. On va aller manger. On va surtout aller manger au petit night market qui est juste à côté de chez nous. Comme d'habitude, tous les ans, on va manger là, c'est pas cher du tout et on mange trop bien. Je vais vous montrer ce qu'on peut manger, genre c'est un truc de fou, pour pas cher du tout en plus. Et voilà, après on va rentrer, Pierre il va terminer sa journée et moi j'ai déjà terminé la mienne. Vu que je me suis levée tôt ce matin pour travailler, ça c'est trop bien en réussi parce que du coup, je me lève super tôt le matin pour travailler. Après j'ai toute la journée quasiment devant moi pour profiter ici, faire des activités, tout ça. Et en général, je reprends le boulot vers 15h. Pour être connectée à l'heure française, pour répondre aux messages, etc. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est quand tu te lèves à 6h du mat, t'as aucune notification. Du coup, tu bosses tranquille et je suis beaucoup plus productive. Donc voilà, donc là j'ai trop faim, donc on va aller manger. La fin de ma journée en tant que digital nomade à Koh Samui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on va finir cette journée avec une crêpe monstrueuse au Nutella Oreo. Franchement, c'est une folie.